Tu as entendu comment ça on lui parle? Ils sont tous fatigués. Surtout Michel. Bonsoir, messieurs. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la sensation... C'est comme s'il ne voulait pas que Michel soit élu. Qui, il? Arrête, Laura, tu délires complètement. Là. Il ne s'en remettra pas. Il ne sait pas perdre, Christine. Mais il n'a pas perdu. Aide-le au lieu de te plaindre. Et arrête de boire, bon Dieu, c'est quoi ça? Tu tiens pas à l'alcool. Elle sent ce que lui n'est peut-être pas en mesure de véritablement sentir au moment où commence le film. Elle sent qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume de cette organisation. Il y a 2 minutes, tout le monde tirait la gueule tant vous l'aviez trouvé formidable et maintenant Nadia... Bon, on tirait pas la gueule, Michel, on travaille, c'est tout, on réfléchit. Elle en souffre et elle peut pas le cacher. Elle n'a pas appris à cacher les choses. Parce qu'elle aime énormément cet homme, mais parce que cet homme, je crois, l'aime aussi totalement. Plutôt que de lui dire, mais ouvre les yeux, regarde, tous ces gens te manipulent, elle se contraint à garder son inquiétude à l'intérieur d'elle et ça provoque une craquure entre eux. 19-3-5e. Action! Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas, Laura. Je comprends pas, mais j'ai plus le temps pour ça. Alors laisse-moi travailler! Fous-moi la paix. Balade-toi à poil dans les rues, ce que tu veux, divorce! Mais laisse-moi travailler. Buongiorno, signora Laura. Buongiorno. Ecco, allora, possiamo cominciare, no? Si può accomodare dietro suo marito? Grazie. Allora, metterei una mano sulla spalla, si sporge un po' in avanti come a leggere il foglio. Così, prende un po' la luce. Ecco, un po' più a sinistra. Yes, like this. Mr. D, un regard dur, hein, sur les papiers. Comme ça. On y va, hein? On va y aller? Avec la tête penchée sans regarder les feuilles et on y va. Ok. Attendez, pardon, excusez-moi. Viens avec moi. Tu veux? Je comprends pas, Laura. Je comprends pas, mais j'ai plus le temps pour ça. Alors laisse-moi travailler. Fous-moi la paix! Balade-toi à poil dans les rues si tu veux. Divorce que tu veux! Mais laisse-moi travailler. Bon, allez, on fait cette photo avec moi tout seul. Ah.
fatigué? Non. Tu m'as rien dit. À propos de quoi? Qu'est-ce que tu me veux entendre? Si jamais il m'arrivait quelque chose, je veux que tu ailles voir Germain, à l'Europe. Que tu le remettes en main propre. L'autre, c'est pour toi. Au cas où. C'est mon testament. Au cas où? Qu'est-ce que tu veux dire? Michel! Rien, c'est normal. C'est une précaution tout à fait normale. Il n'y a plus rien. Il n'y aura jamais plus rien de normal.